aujourd'hui, on est le 3 septembre et comme tu peux le constater, je ne suis pas en t-shirt, mais bien avec un sweatshirt manche longue. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'on est à Briançon dans les Hautes-Alpes. Voilà, c'était ça la surprise. Donc, j'espère qu'il va faire beau parce que quand je suis arrivée tout à l'heure, bah, il pleuvait. Voilà, c'est les aléas de la montagne. Donc j'espère qu'il fera beau et qu'on pourra en profiter un maximum pendant une semaine. Je vais essayer de t'emmener le plus possible un peu partout, voilà. Donc j'espère qu'on va s'éclater et puis voilà, allez, bonne continuation, bonne vision, Ok, donc aujourd'hui on est le 4 septembre, on va faire un petit tour à l'office de tourisme de Briançon. Je t'explique pourquoi, parce qu'en fin de compte, le géoguide que j'ai avec moi concerne la Provence et Briançon ne fait pas partie de la Provence. Voilà, donc je n'ai pas pu récolter des informations sur le bouquin. Du coup, je suis obligée d'aller à l'office de tourisme et de récolter mes plein de trucs pour en savoir au maximum et visiter et en même temps te faire visiter la ville. Voilà, donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, je vais prendre les cartes postales parce que je l'avais dit sur Instagram que ceux et celles qui voulaient qui j'envoie des cartes postales, je me donnais leur adresse et puis moi je les envoyais. Donc voilà, je vais en acheter. Et puis parce que ça me fait vraiment plaisir aussi en même temps. Et puis, je me jetterai sûrement dans un petit café, un truc comme ça, parce qu'il doit sûrement avoir des trucs sympas dans Briançon. Donc, on y va, c'est parti, go! Bon, je me trouve dans l'office de tourisme, donc on y va, c'est parti. Voilà, pêche aux infos. Les gens, il y a énormément de choses à faire à Briançon et franchement, je sais pas si en une semaine je vais arriver à faire tout ce qu'il y a à faire. Donc soit je prends 2-3 jours en plus et je reste ici un peu plus longtemps, soit on reviendra l'année prochaine, pourquoi pas. Donc à voir. Hey, coucou, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je vais te faire visiter le Briançon historique. Donc on va rentrer dans la cité Vauban. Attention, ça va tourner, je te montre de suite. Voilà où on va aller. On va rentrer dans la cité Vauban et je vais tout te faire visiter en t'expliquant chaque chose, chaque monument, chaque truc, chaque machin chose. Allez, c'est parti, on y va. Et donc là, on se trouve aux portes de la cité et nous allons passer par la porte Pignerol. Et la porte Pignerol, c'est une ancienne porte de cime de ville ou de Piémont. Parce que pourquoi le Piémont ? Là, tout simplement parce que Piémont est juste à côté. C'est une région de l'Italie du Nord, voilà, dont je suis originaire. Et elle ferme le haut de la ville. Donc c'est parti, on y va. Et voilà, droit devant toi, la fameuse porte de Pignerol. Donc là, on se trouve sur les fortifications Vauban. Elles sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Donc je t'explique un petit peu exactement ce qu'il en est. Après l'attaque menée par le duc de Savoie pendant l'été 1692, Vauban propose de consolider les fortifications de la ville. Sur ce côté nord, il fait établir un front constitué de deux bastions, d'une courtine, d'une demi-lune et d'un chemin couvert. Ce système dit bastionné permet de positionner des canons, tirant des boulets métalliques et des soldats armés de mousquets. Il fait aussi renforcer la défense des portes et construire des corps de garde. Thank you.
Ben maintenant, je t'emmène visiter la Collégiale, qui est une église qui a été construite entre 1703 et 1718 et qui remplace l'église médiévale qui avait dû être détruite pour raisons militaires. Donc, ce fut Vauban et l'ingénieur Rebelin qui travaillèrent ensemble pour concevoir l'édifice. C'est parti, on y va. Donc, on est arrivé devant la Collégiale, on va rentrer et on va la visiter. C'est parti. Ce que tu as juste devant toi, c'est la maison du temple, c'est l'office du tourisme. Elle a été construite en 1574. Elle porte le nom de temple comme la place de laquelle elle est édifiée. Elle-même, le prolongement, la rue du temple dans laquelle l'ordre des Templiers possédait une maison au Moyen-Âge. Maintenant, on va aller voir la maison du lieutenant Prat, qui était l'une des plus belles de Briançon et qui accueillait d'illustres personnages. Donc c'est parti, on y va.
gens, vous n'allez pas me croire, je suis dans le centre d'art contemporain et en fait, c'était dans les anciennes prisons. Donc je t'emmène voir une prison. C'est parti. Allez, on entre. Elles sont lourdes, hein, par contre, les portes. Oh, purée. Oh, regarde ça. On est dans une prison, les gens. On est dans une prison. Bon, d'accord, je sais. C'est pas très rigolo. Mais voilà, quoi. Mais regarde. Je vais te montrer le truc. Ils ont encore laissé les... comment appelle ça? Les anneaux. Et c'est là qu'on attachait les prisonniers, en fait. Enfin, tu te doutes, hein. Mais t'es minuscule, hein, la cellule. En fait, ça me fait penser aux cellules qu'on a vues à Arles. Oui, alors là, ce que tu vois, c'était pas pour les prisonniers, c'est juste que c'est une expo qu'il y a. Et ils en ont mis une, justement, dans la prison. Et le truc, regarde, encore plus marrant. Enfin, c'est pas marrant, mais bon. Regarde ce qu'on y voit. Attention, ça bouge un peu. Ici, tu y vois une inscription. R. Canline, Canline, je sais pas trop quoi. Cantine, enfin, je sais pas. Attends, peut-être que tu verras mieux. Voilà. R. Cantine. Voilà, R. Cantine. Tiens, il y a encore une inscription ici. Et donc là, tu vois aussi qu'il y a les grandes bulles. Bah, on est dans la cour de la prison, en fait. Et c'est seulement en 83, je crois, qu'elle m'a dit, madame, qu'ils ont fermé ici pour en faire un centre d'art contemporain. Mais voilà, avant 80, bah, c'était encore à ciel ouvert. Comme quoi, tu vois, ça a du bon de venir voir une exposition. Si j'étais pas venue voir l'exposition d'art contemporain, jamais je ne l'aurais su parce que ce n'était pas écrit sur le guide touristique que m'a donné l'Office du tourisme. Voilà. Donc, la vie est pleine de bonnes surprises. Allez, on continue la visite de Briançon. Juste là devant toi, ce serait la prison. Voilà. C'est bon, on a fait le tour. Et juste à côté, où il y a le cadran solaire, ce serait l'ancien palais de justice. Donc là, on est devant l'ancien hôpital civil qui s'appelle aussi Maison du Pape. Alors je vais essayer de te dire un petit peu. Brûlé pendant l'incendie de 1624, qui fut reconstruit en 1636, placé sous le vocable de Saint-Roch et Saint-Charles, selon le vœu formulé par le premier consul au plus fort de la peste de 1630. L'hôpital prit le nom de la Maison du Pape à la suite du séjour de Pie VI. Bon allez, après l'hôpital civil, l'hôpital militaire. C'est parti. Donc là, on se trouve devant l'ancien hôpital militaire, qui aujourd'hui est devenu la mairie et qui abrite aussi la communauté des communes.
du Briançonnais, mais en 1768, l'armée prit l'habitude d'utiliser les salles du couvent des Cordeliers pour loger les soldats malades. Lorsqu'au XIXe siècle, la volonté de moderniser les installations militaires se fit sentir, on décida de raser les bâtiments du couvent afin d'établir un hôpital militaire plus moderne. Il fut inauguré en 1831 sur un projet du capitaine du génie Barthélemy Galissé B. Voilà. C'est l'ancienne église du couvent des Cordeliers qui fut fondée en 1388. On tourne un tout petit peu et qu'on va par là, bing, on tombe sur le magasin des poudrières. Voilà, donc tu en as un ici et tu as le deuxième là. Voilà, c'est là où les soldats se fournissaient pour prendre la poudre pour les canons, les fusils, etc., etc., etc. Voilà, tu sais tout. Je me trouve dans un petit salon de thé, mais franchement, le carrément est top. Il est vraiment intimiste et. Enfin voilà encore, c'est une adresse à retenir. Aujourd'hui, on est le 7 septembre. Il fait un temps magnifique pour l'instant parce que hier c'était vraiment le déluge complet. Il pleuvait, il faisait froid. Enfin bref, voilà quoi. Qu'est-ce que je veux dire ? Ben là, en fait, je sais pas si tu as vu, il y avait le, comment on appelle ça, le fort. Enfin, la cité Vauban plutôt. Et donc là, ben, on monte sur la cité Vauban par un petit chemin de randonnée et on fait le tour de la cité Vauban apparemment. Donc c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc bah voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de un petit peu filmer pour te montrer les environs, la montagne, tout ça, comme c'est beau. Moi j'ai utilisé ma caméra à mouvement, la Eagle 4, ce qui est équivalent de la GoPro. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas j'espère que c'est du bon et que ça te fera une superbe image panoramique. Donc on verra. Allez, c'est parti, je continue parce que après j'ai une petite sortie organisée par le service du patrimoine et je voudrais pas être en retard. Donc c'est parti, on y go, on repart. Qu'est-ce qu'ils sont raides, les escaliers, bon sang. Wow. Oh, un passage secret. Entrez, non, les entrailles vont faire. Je suis rochant. Oh putain, c'est tout en ébouillé. Hein. Ça sent pas très bon. Hein. Bon. Thank you.
parce qu'ils sont raides, les escaliers. Bon, allez, on y va. Waouh, pas facile, non? Oh putain, encore un passage secret. C'était vraiment... comment on appelle ça? Le chemin de ronde, hein. Ça se voit de suite. Bon, donc je t'explique le topo. En fait, on est arrivé devant le château. Je voulais y aller, monter carrément en haut. Je me suis dit que ça serait super, on aurait une super vue. Enfin bref, voilà. Et puis ça t'aurait permis en même temps toi aussi de visiter. Mais le manque de bol, c'est quand même 6 euros l'entrée. Voilà. Donc comme j'ai déjà mis 12 euros pour les sorties. Voilà, donc je paierai pas encore 6 euros une seule fois, encore une fois. Il ne faut pas oublier que j'ai encore les Alpes d'Haute-Provence à faire, les Alpes-Maritimes, avant d'arriver chez moi dans le Var. Donc si je veux visiter un maximum de choses, il faut vraiment que je me calme. Surtout qu'à Arles, ça y allait. Hein. Voilà, donc ben, j'espère que tu ne m'en voudras pas trop. On va redescendre en bas. Normalement, on descend en bas, pas en haut. Et puis ben, voilà, donc on repart. Allez, go! Je suis désolée, je suis obligée de filmer avec ma caméra en mouvement parce que sur l'autre, sur l'appareil photo, la batterie elle est KO. Enfin bref, voilà, faut que je la recharge, donc du coup c'était pas possible. Alors voilà, c'est juste pour te dire, je te remercie déjà d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout parce que je sais que 20-25 minutes c'est toujours assez long pour certaines personnes. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la prochaine vidéo, donc si elle n'est pas mise en ligne de suite, c'est normal, c'est parce que la destination où je vais aller, l'internet, c'est pas vraiment leur fort. Voilà, donc du coup, bah, je ne sais pas si je pourrais mettre la deuxième vidéo des Hautes Alpes en ligne, pas ce vendredi, mais l'autre d'après, ou non. Voilà, je préfère t'avertir. Donc, bah écoute, voilà, je te laisse et puis je te dis au revoir et puis bah à bientôt. Bye bye.